Bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus nombreux pour cette soirée 13 minutes, conférence 13 minutes, qui est un format qui a été développé par l'Université Paris Diderot, qui est, comme je pense beaucoup le savent, une université de sciences exactes. Et ils ont l'idée comme ça de ces petites soirées avec des conférences de 13 minutes sur une même thématique et de faire venir des intervenants comme ce soir d'horizons très différents, pour montrer que bah voilà, sur une même thématique, on peut avoir des éclairages complètement cosmopolites et justement de faire venir et des chercheurs en sciences humaines et des chercheurs en sciences exactes. Là, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants pour ce 13 minutes sur la folie qui s'inscrit dans un cycle beaucoup plus vaste de rencontres autour de psychiatrie, psychanalyse et malaise social. Donc, a programmé ma collègue Isabelle Bastien-Duplex avec 5 tables rondes, dont la prochaine sera le 1er avril. Et là, c'était voilà, cette soirée un peu particulière. Donc, le déroulé, c'est que je vais appeler un par un tous les intervenants. Je vais vous les présenter. Je vais déclencher ce petit chronomètre-là à gauche de 13 minutes qui va déclencher au bout du temps imparti un petit grillon pour les avertir que leur temps est passé. Et ensuite, nous allons avoir comme ça nos 5 intervenants qui vont se succéder. Et à la fin, je vais les rappeler tous sur scène, puisque vous avez fait l'effort de venir jusqu'à nous, pour vous récompenser, que vous puissiez leur poser des questions pendant à peu près un quart d'heure. Donc on est parti ensemble jusqu'à 20h45. Et je remercie très chaleureusement Paul Bretéché qui a accepté d'ouvrir le bal avec cette première conférence. Donc, Paul Bretéché est psychiatre et psychanalyste. Il est inspiré par la psychothérapie institutionnelle. Il y a eu une table ronde à ce propos le 25 février dernier. Je ne sais plus, je regarde Isabelle, c'est ça. Et Paul Bretéché a publié en 2014 « Entreprise, folie et solidarité » aux éditions RS, que vous retrouverez à la bibliothèque, bien entendu. Et là, je vais donc céder la parole à Paul qui va nous parler de la psychiatrie, mode d'emploi. Merci. Bien, bonsoir. Donc, si je viens vous parler ce soir de psychiatrie, c'est parce que j'ai travaillé pendant de très très nombreuses années, presque 40 ans, dans le service public, dans la banlieue parisienne, au sud, à Corbeil-Essonnes précisément. Alors, pourquoi je cite l'endroit? C'est parce que le maillage d'institutions de soins qui s'y est installé l'a été à l'instigation de Lucien Bonafé, dont il a été question il y a 15 jours à propos de l'expérience Saint-Albanaise. Il en était un des protagonistes principaux avec François Tosquelles. Donc, à la fin de sa carrière, Lucien Bonafé, fort de nombreuses expériences, décide de s'installer dans ce qu'il considère comme, à l'époque, 71, un désert sanitaire. C'est la lointaine banlieue, la ville nouvelle d'Évry n'est pas encore construite. Et là, il va se dire qu'il faut commencer par faire venir des hommes avant des murs et va réaliser ce qu'il appelle une implantation préalable, c'est-à-dire en commençant prendre un peu connaissance du terrain, voir quels sont les médiateurs, si l'on peut dire, ou les demandeurs ou les usagers potentiels avec qui il pourra travailler. Quand on parle de la notion d'usager aujourd'hui, on a presque toujours tendance à la restreindre aux patients. Or, il ne s'agit pas de ça. Les usagers sont usagers de la psychiatrie, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, peuvent y avoir recours. Ça peut même être une institution, une maison de retraite, une clinique, des médecins généralistes, bien sûr. Et alors, va se mettre en place là, dans ce territoire, à partir d'un foyer central, de très nombreux espaces d'accueil, de soins, d'accompagnement. Centres médico-psychologiques, centres d'accueil à temps partiel, des antennes dans les quartiers difficiles, les quartiers difficiles, les Tarterets par exemple. Là vont s'y déployer des ateliers que les patients pourront fréquenter. Vont se fonder des associations qui serviront avec d'autres non-psy, avec des patients et avec des soignants, à résoudre un certain nombre de questions qui se posent en général, comme l'accès au logement, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, et pourquoi pas même, il y a été question, fait mention tout à l'heure, parce que j'ai écrit sur ce point, l'accès au travail. Alors, c'est un cadre général, et en parler, ça ne peut pas se faire en 13 minutes, j'insisterai donc sur juste quelques points.
qui, des principes qui ont guidé finalement cette pratique et qui sont communs bien au-delà de Corbeil et venant de Saint-Alban, toujours présents jusqu'aujourd'hui, je pense. Alors, la première chose, je crois, dont vous avez dû déjà parler, c'est que toute folie n'est pas nécessairement pathologique. La folie, c'est un nom beaucoup plus général, je crois que d'autres en parleront ce soir, mais il peut y avoir des folies qui, elles, relèvent de ce qu'on appelle la pathologie. Comment on décide de ce qui est pathologique ou non, c'est aussi toute une affaire, il y a beaucoup de controverses, j'insisterai pas. Mais pour donner des exemples de folies qui ne seraient pas pathologiques, quand toute une population se met à joyeusement déborder un petit peu partout après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, bon, c'est un moment de folie qui retombe. Bon. Alors, tandis que ce qui est de l'ordre de la pathologie, c'est la rupture dans la trajectoire d'une trajectoire existentielle avec un changement d'allure de cette vie et qui s'installe péniblement dans la souffrance et dans la durée et qui demande à ce moment-là à trouver de l'aide. Première chose. Deuxième chose, je tiens à dire que si cette folie douloureuse est irréductiblement singulière, nécessairement et toujours à prendre dans sa singularité, ses singularités, c'est aussi nécessairement une affaire collective. Alors, elle est singulière, vous allez me dire c'est une évidence, aujourd'hui ça va de soi. Ça ne l'était pas à l'époque des grands hôpitaux psychiatriques où les patients étaient fondus dans une espèce de masse anonyme. Mais aujourd'hui, je crois que s'il faut y insister, c'est que cette singularité tend à s'effacer derrière des approches un petit peu différentes qui commencent par considérer les pathologies, les grandes pathologies et leur traitement, enfin ce qui est considéré comme grande pathologie et leur traitement, plutôt que la personne que l'on a en face de soi. Des experts se réunissent et décident que dans le cadre de troubles bipolaires, maniaco-dépressifs, le traitement, diraient les statistiques, doit être de tel ou tel type et devrait être complètement généralisé à tout le monde, quelle que soit son histoire, son itinéraire, son parcours. Pareil pour la schizophrénie, pareil pour moi. Or ça, si vous voulez, ça ne peut pas marcher. Tous les soignants ont toujours affaire à une personne singulière. Monsieur Durand, c'est pas Madame Dupont. Et même si même Monsieur Durand et Madame Dupont ont des troubles de l'humeur, et bien c'est pas la même chose. Le deuxième point, je mentionnais tout à l'heure, c'est toujours, disais-je, une affaire collective. Ben évidemment, parce que si quelqu'un est dans de très grandes souffrances, envahi par le délire, persécuté par des hallucinations ou dans un grand abandon de soi-même, cet état, cette manière d'être, va avoir des répercussions sur tous ceux qui l'entourent. Ces personnes vont réagir. Elles vont réagir avec de la compassion, de la sollicitude, une volonté d'aide, ou au contraire, par un évitement, par du refus, par un rejet ou par une dénégation, ne pas voir ce qui se passe. Mais il arrive dans bien des cas, ça je crois que vous le savez, c'est une grande banalité, que ce sont ses tiers, ses proches, parents, famille, amis, voisins, il arrive que ce sont eux qui réussissent à conduire une personne vers un lieu de soins. La personne la plus impliquée directement, elle, est en prise dans ses défenses pour essayer de résister à ce qui lui arrive et n'a pas forcément envie de rencontrer et d'aller vers un espace soignant. Donc, on voit bien que même si quelqu'un est abandonné à la rue, on peut dire que c'est une affaire collective, collective au sens où on peut se demander pourquoi ne s'occupe-t-on pas de cette personne à l'abandon. Alors, c'est collectif aussi nécessairement parce que quand une personne est en très très grande difficulté, elle ne rencontre pas un soignant. Elle rencontre qui ? Une équipe. Elle va vers un service de soins. Et à l'intérieur de ce service de soins, tous ceux qui y travaillent, médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmières, kinésithérapeutes, secrétaires, assistantes sociales, bon, n'ont pas tous le même parcours, les mêmes expériences, le même itinéraire, la même formation. Et il arrive très souvent que un patient va accrocher avec la personne qui n'était pas, dont on ne pensait pas nécessairement qu'elle serait là pour avoir développé cette relation qui est de la meilleure qualité. Je pense très banalement, mais je crois que tous ceux qui ont travaillé en psychiatrie le connaissent, à un monsieur qui venait parler très longuement à la secrétaire du service et qui disait très très peu de choses à son psychiatre. Alors, dans ces cas-là, on voit bien que la tâche de cette équipe, ça va être de travailler de telle sorte que
les uns et les autres, qui soignants, qui ont développé des relations différentes avec un patient, parfois très proches, parfois d'accompagnement très, très attentif, parfois plus distantes, puissent confronter leur appréciation de ce qui arrive à cette personne, puissent aussi recevoir leur, son entourage et prendre le temps, c'est absolument indispensable, de réfléchir à ce qui se passe et d'élaborer des projets de soins, d'accompagnement appropriés à cette situation. Alors, vous allez me dire ça aussi, mais enfin bon, c'est une grande banalité, il y a toujours des équipes de soins, etc. etc. Sauf que il ne s'agit pas de constituer des équipes homogènes où tout le monde travaillerait selon la même obédience, en respectant les mêmes consignes, en ayant les mêmes références, mais au contraire de partager les points de vue, quitte à ce qu'il y ait débat et controverse. Et l'expérience a montré que si ça ne se fait pas, en général, les patients vont plus mal. Je n'aurai pas le temps de citer l'expérience, enfin, d'où est parti ce constat qui s'est généralisé par la suite. Ce qui fait que le temps dont on parle, ce temps d'accueil, le temps de réflexion, le temps de discussion, c'est quelque chose qu'il est absolument indispensable de préserver aujourd'hui. Or, vous savez, et ce temps fait partie de, vraiment du soin très authentique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai en psychiatrie, c'est vrai en médecine, c'est vrai dans les entreprises. On fait partout la chasse à ce qu'on appelle du temps perdu. Or, les hôpitaux ont tendance à ne vouloir considérer les administrations hospitalières comme tant soignants que les moments de face à face entre un soignant et un patient, éventuellement des soignants et son environnement. Mais quand même, tout ce temps qui est pris pour réfléchir avant de prendre des décisions, eh bien ce temps-là tend à disparaître. S'il disparaît, la qualité des soins se dégradera. Et puis enfin, c'est une affaire collective. Pourquoi ? Eh bien, tout à l'heure, je faisais mention des associations qui ont pu être créées avec des patients, avec des soignants et avec d'autres intervenants venant de la cité pour résoudre les problèmes comme les questions de logement des patients. Donc là, il se retrouve des bénévoles qui sont simplement concernés par ce que c'est que la folie, ce que c'est que la psychiatrie. Peut-être personnellement, ils l'ont été par un proche. Mais toujours est-il que ça permet d'avoir une sorte de composition, qu'on pourrait dire intermédiaire, qui fait relais vers la cité. Et on voit bien que dans ce contexte-là, considérer, quand je parlais de psychiatrie, mode d'emploi, c'est que on peut se demander où sont les limites de l'intervention soignante. Eh bien, il y a sans doute un cœur central qui est ce temps de premier accueil, de première rencontre et de soins pendant un moment de très grande difficulté, mais les relations qui ont commencé à s'installer vont se poursuivre sur un long terme, quelquefois en cherchant des relais, des appuis, des accompagnements auprès d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des soignants, qui sont parfois même des groupes de patients qui se sont constitués et se montrent solidaires entre eux. Et pour finir cette présentation générale qui donnait un peu les principes selon lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler des années, j'aimerais rappeler une formule de Lucien Bonnefé, et qui, quand on l'avait interrogé sur « mais au fond, qu'est-ce que c'est que la folie ?» Et Lucien Bonnefé avait répondu « pour autant qu'elle soit autre chose, la folie n'en est pas moins une juste protestation contre d'injustes contraintes. » Alors, contraintes internes à soi-même, évidemment, c'est les contraintes de la pathologie, et puis contraintes, quelquefois, de la part d'un environnement qui ne la comprend pas, et contrainte, malheureusement, parfois aussi, si jamais les institutions dont j'ai rappelé les principes viennent à se dégrader. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, toujours dans ce principe de soirée kaléidoscope, j'appelle Alexandre Seurat, qui enseigne les lettres à l'IUT d'Angers. Il a publié en 2016 un essai qui est tiré de sa thèse, La perte des limites, hallucinations et délires dans le roman européen 1920-1940. Il est lui-même romancier et a publié en 2018 aux éditions du Rouergue Un funambule. Et Alexandre va nous parler de la souffrance mentale chez Virginia Woolf et surtout son roman
Mrs. Dalloway. Merci. Alors bonsoir à tous. Alors comme il est question de folie ce soir, je voudrais faire entendre la voix de la littérature et surtout la voix d'une certaine époque de la littérature face à cet enjeu de la folie. Alors pour certains, comme Michel Foucault, la modernité littéraire serait liée à une forme de libération de la parole du fou qu'on associe, enfin c'est suggéré dans certains textes de Michel Foucault, à la puissance littéraire. Finalement, la littérature renouerait avec la place faite à la folie jusqu'à la Renaissance, à l'époque moderne. De cette idée, on glisse parfois vers l'idée qu'il y aurait un lien consubstantiel entre folie, justement, et puissance littéraire, avec cette idée que la folie peut représenter un contre-discours vis-à-vis de la société. Alors, moi, mon propos n'est pas du tout de sacraliser ce lien entre folie et puissance littéraire, mais plutôt de faire un focus sur une certaine époque du roman européen, à savoir les années 20, période pendant laquelle le roman va renvoyer à la société sa propre folie. Alors, pourquoi les années 20 ? On peut penser que c'est lié au contre-coup du traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui a fortement secoué les fondations de la civilisation européenne, et que c'est également lié au fait que le roman, à ce moment-là, doit tenter de réagir ou peut-être de répondre à une nouvelle compréhension de l'esprit humain qui est proposée par la psychanalyse. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à prendre dans de très nombreux grands romans européens, mais j'ai décidé de me focaliser sur un roman en particulier, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Et peut-être que Woolf est la plus à même à traduire cette écoute du roman moderne vis-à-vis de la folie, parce qu'elle est... Elle est femme et peut-être donc un petit peu en décalage du modèle dominant de son époque et qu'elle-même a souffert psychiquement tout au long de sa vie. Alors, Mrs. Dalloway, c'est un roman qui raconte une journée dans la vie d'une femme londonienne, grande bourgeoise, qui prépare une soirée et autour de laquelle gravitent toute une série de personnages dont on va suivre les perceptions personnelles, individuelles, les monologues. Et parmi ces personnages, il y a un personnage en particulier qui pourtant ne connaît pas Mrs. Dalloway, qui à aucun moment ne la croise et qui est justement traumatisé de guerre, Septimus Warren Smith. Alors, en quoi le roman est-il innovant dans ce traitement du délire ? En quoi le roman moderne apporte-t-il quelque chose à cette question ? Ce qui est très frappant dans les scènes de délire, c'est qu'elles ne sont pas médiatisées par la parole d'un narrateur qui apporterait un jugement sur ces scènes. Et parfois même, on entre dans les scènes de délire de Septimus sans s'en rendre véritablement compte, en tout cas sans que le narrateur nous prévienne. Alors, c'est pas tant au début du roman, lorsque passe une voiture mystérieuse qui va se révéler la voiture du Premier ministre. Beaucoup de personnages observent cette voiture, et Septimus fait partie de ces personnages. Et voilà comment on entre dans son monologue. « Le monde vacillait, palpitait et menaçait de prendre feu. C'est moi qui barre le passage, pensa-t-il. Est-ce qu'on n'était pas en train de le dévisager, de le montrer du doigt ? Est-ce qu'il n'était pas cloué sur place, enraciné en plein trottoir, dans un but bien précis ? Mais lequel ? Finalement, là, on voit que la perception délirante ne se signale pas par une indication explicite, mais bien par un changement de régime de vraisemblance, un régime de tonalité du texte. Alors, le lecteur ressent une très grande empathie vis-à-vis de Septimus, parce qu'il sent très vite que finalement Septimus est victime d'une société aveugle à sa propre violence. Et c'est particulièrement patent dans le point de vue des médecins, qui devraient pourtant être réceptifs à la souffrance de Septimus, et qui, en fait, portent très souvent un discours de réprobation morale sur lui. C'est le cas notamment du docteur Holmes, qui est un généraliste, qui va voir Septimus, et qui va, avec beaucoup de bon sens, prôner une reprise du contact avec la réalité, et notamment il lui propose de s'intéresser à autre chose qu'à lui-même, en lui proposant de jouer au cricket. C'était le sport idéal, avait dit le docteur Holmes, un excellent sport de plein air. Alors, pourquoi c'est intéressant cette phrase ? Eh bien, parce que c'est un condensé des stéréotypes de cette époque qu'a notamment étudié un historien britannique qui s'appelle George L. Mossy et qui a montré que dans la société britannique de cette époque, le cricket, eh bien, c'est une espèce d'analogue des tournois chevaleresques pour faire un parfait gentleman britannique qui va se caractériser par son fair play. Donc, le médecin
défend ici une valeur sociale, le contrôle de soi par la volonté. Mais ce qui est frappant, c'est que même les psychiatres portent ce discours de réprobation morale, alors même qu'ils sont détenteurs d'un savoir sur la maladie mentale. Ça apparaît dans le point de vue d'un autre médecin qui apparaît dans le roman, qui s'appelle le docteur Bradshaw, qui d'emblée se signale par sa compétence, puisqu'il identifie immédiatement en Septimus un cas de dépression nerveuse et physique caractérisée à un stade avancé de chacun des symptômes. Et le docteur Bradshaw fait immédiatement le lien avec son expérience de combattant. Le roman, nous apporte l'information que le choc traumatique a été découvert précisément à cette époque-là, en 1915. Le roman est paru en 1922. Donc, il rend compte de cette avancée de la psychiatrie de cette époque. Et pourtant, le docteur Bradshaw porte lui aussi une sorte de discours de stigmatisation morale, puisque dans son traitement vis-à-vis des patients, il entre dans une forme de lutte d'influence pour essayer de leur montrer que lui contrôle ses actes, alors même que les patients ne se contrôlent pas. Donc ce qui nous frappe, c'est que dans la société de cette époque, le choc traumatique devient le symptôme d'une incapacité à faire face à l'épreuve, symptôme qui est d'ailleurs féminin, puisque le choc traumatique est souvent ramené à des pathologies identifiées comme féminines, comme l'hystérie ou la nervosité. Et Wolfe connaît d'autant mieux ça qu'elle a elle-même subi une cure très proche de ce que propose le docteur Bradshaw à Septimus dans les années 1910-1913. Alors là, là où le roman moderne et celui de Wolfe en particulier est très convaincant dans sa description de la souffrance psychique, c'est qu'il montre que celui qui souffre n'est pas seulement une victime, mais il est une victime en ce qu'il participe au discours social de son temps. Septimus n'est pas seulement une victime de ce discours social, mais un défenseur de tous ces stéréotypes. Et ça apparaît dans un cas tout à fait frappant, qui est la scène où Septimus fait face au docteur Bradshaw. Dans le brouillon, Wolfe fait de Septimus un révolté qui est capable d'affronter ce psychiatre aveugle à sa souffrance. Il lui dit « Vous êtes l'ennemi ?»« Mais non, » répondit doucement Sir William. « Pourquoi ne pas dire la vérité ?» demanda Septimus. Alors ça, c'est le brouillon. Et dans la version finale, Septimus, au contraire, cherche à confesser, il cherche à avouer. Mais quel était son crime? Il n'arrivait pas à se le rappeler. Dans son délire, finalement, Septimus ne coïncide plus avec lui-même. Il est complètement habité par la culpabilité que lui font porter les autres. Ce qui nous frappe, c'est qu'en montrant l'ambivalence de la maladie, de cette souffrance surtout, le roman moderne n'est pas très éloigné finalement de certains aspects de la révolution psychanalytique qui s'intéresse à la manière dont celui qui souffre est saisi par des discours contradictoires. Et on pourrait même penser que le roman, ici, répond à la psychanalyse en continuant à élaborer, à formuler peut-être des nuances vis-à-vis des théories cliniques qui existent à cette époque-là. Alors, quel était le point de vue de Wolfe sur Freud? Très critique. Wolfe s'en méfiait. Elle a écrit plusieurs articles pour dire à quel point les clés psychanalytiques n'étaient pas pertinentes quand on écrit un ouvrage de fiction. Elle se méfiait du complexe d'Édipe, elle se méfiait du symbolisme freudien. Et pourtant, dans sa description des ambivalences du psychisme, on peut trouver une certaine parenté. À la fin du roman, Septimus va se défenestrer suite à l'intrusion, à l'ultime intrusion du docteur Holmes chez lui, et il se défenestre en criant « I'll give it to you », qu'on peut traduire par « Tiens, voilà pour toi » ou « Prends ça ». Et à travers ce geste, finalement, Septimus exprime une contradiction. Il prend sur lui l'agression que les autres commettent à son égard, mais tout en faisant cela, il exprime son refus d'assumer cette violence et il la renvoie à l'agresseur. Et c'est extrêmement subtil, évidemment, et ça peut... On peut trouver des analogies avec certaines spéculations actuelles, enfin certaines remarques cliniques qui sont faites par des psychanalystes à partir du texte de Freud de 1920 qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir » et qui avait été écrit sur la névrose de guerre, justement, à propos de l'intuition qu'a Freud d'une pulsion de vie et mort dans ce texte. On sait que Freud va finalement distinguer les pulsions de vie d'un côté et la pulsion de mort de l'autre. Mais certains psychanalystes actuels identifient qu'en fait,
il a le pressentiment qu'existe une pulsion de vie et mort, qui est une seule et unique pulsion, qui peut mener à la catastrophe l'individu, qui n'a pas justement les défenses nécessaires à un par-excitation, dit Freud. Lorsque ce par-excitation est fêlé par un traumatisme, eh bien, justement, il peut se précipiter dans la mort précisément en voulant vivre. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on peut ressentir quand on voit la scène de la mort de Septimus, puisque Septimus ne veut pas mourir. Il n'est pas poussé par une pulsion de mort qui l'attirerait vers la mort de manière inéluctable. Non, sa mort est un acte de protestation. Juste avant de se défenestrer, le narrateur nous dit qu'il ne voulait pas mourir, la vie était bonne. Donc il est contraint de répéter l'agression pour affirmer son désir de vivre. Et donc ce que je voudrais suggérer ici, c'est que Wolf, finalement, peut-être entre en dialogue avec Freud sans le dire, et même peut-être anticipe certaines corrections actuelles du modèle du maître. Alors, la question qu'on pourrait se poser in fine, c'est qu'est-ce qui fait que le roman moderne est une forme particulièrement apte à penser, à entendre et à faire entendre la souffrance mentale ? Alors, peut-être que c'est justement parce qu'il laisse les contradictions béantes. Il confronte les discours et il ne donne pas le dernier mot à un diagnostic. Il me semble que la représentation de la souffrance psychique présente un risque pour un romancier qui est d'instrumentaliser la voix de celui qui souffre au profit de soi-même, au profit de son écriture, précisément parce que celui qui souffre n'aura pas le dernier mot puisqu'il est submergé par sa souffrance. Or, Mrs. Dalloway, ce roman, me paraît justement penser ce problème. À la fin du roman, Clarissa Dalloway va entendre parler de Septimus, puisqu'elle a invité le docteur Bradshaw à sa soirée, et elle ressent immédiatement cette mort comme de sa propre responsabilité à elle, comme un échec qui lui est propre, alors même qu'évidemment elle n'y est pour rien. Et pourtant, un peu plus loin, on sent qu'elle s'est apaisée, puisqu'il nous est dit d'elle, elle se sentait très semblable à lui, ce jeune homme qui s'était tué, elle était contente qu'il l'ait fait, qu'il ait joué son va-tout, cependant que les autres continuaient à vivre. Finalement, la résorption de la souffrance de l'un dans l'apaisement de l'autre pourrait paraître obscène, puisque c'est facile d'être apaisé quand l'autre est mort. Mais ce qui est très subtil et très, très fort, il me semble, dans ce roman, c'est que justement Clarissa Dalloway laisse aussi au geste de Septimus tout son mystère et toute sa puissance subversive. Elle sent que son geste est un effort pour communiquer et en même temps que c'est un échec absolu de la communication. Donc cette structure trouée du roman qui admet la porie, l'obstacle et qui les fait exister pour nous, c'est typiquement moderne car c'est incomplet. Mais justement, c'est ça qui permet de ne pas réduire la souffrance à un message. Et le roman montre ainsi, d'après moi, son aptitude, et peut-être plus que toute forme de témoignage, à nous faire entendre cette souffrance psychique. Voilà, merci. Merci Alexandre Seurat. Donc notre troisième intervenante est psychiatre aussi, Nathalie Gilloux. Elle est praticienne hospitalière au centre hospitalier Le Vinatier à Bron, à côté de Lyon. Et elle co-dirige avec la magistrate Marion Primevert une formation à l'École nationale de la magistrature à Paris qui s'appelle les soins psychiatriques sans consentement, ce qui voilà, peut expliquer l'intervention de ce soir. Et toutes les deux, elles sont à l'origine du documentaire, peut-être que vous en parlerez Nathalie, de Raymond Depardon, 12 jours, que je vous invite à voir. Donc voilà, Nathalie Gilloux maintenant, sur les soins sans consentement. Alors, le principe des soins dans les hôpitaux psychiatriques est un principe de soins librement consentis. Et en France, on estime qu'il y a environ 420 000 personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Parmi elles, 90 000 par an le sont sous contrainte, c'est-à-dire sans leur consentement. Qui sont ces personnes ? Eh bien, ce sont dans 60% des cas des hommes, jeunes, et la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans. Elle se situe environ autour de 39 ans.
De quoi souffrent-ils ? Eh bien, dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves, en particulier ce qu'on appelle les troubles psychotiques, c'est-à-dire, je vous le dis synthétiquement, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité, de personnes qui perdent la raison au point de ne pas se voir malade et de ne pas être sensible à la nécessité de se soigner, de prendre soin d'eux. Dans ces contextes, ce sont les médecins, alors au départ, tout médecin, pas forcément des psychiatres, qui certifient la nécessité de se prendre en charge, c'est-à-dire qui certifient que la protection de la santé va au-delà du respect de la liberté d'aller et venir et du libre consentement. Alors, c'est une position d'autorité du médecin, c'est une position de pouvoir qui doit donc accepter un contre-pouvoir. Le médecin a la prétention de savoir, après avoir examiné son patient, bien entendu, ce qui est bon pour lui. Il a la prétention de savoir où sont les intérêts de ce patient mieux que lui. Alors, bien sûr, cette position de prétention doit être habitée par le doute. Il doit s'interroger lui-même, avec son équipe. Il doit savoir aussi que son observation peut être infiltré de position morale. Il va certifier dans un premier certificat et tout au long de l'hospitalisation, des collègues psychiatres vont valider ou invalider cette mesure. L'hospitalisation, les soins sous contrainte peuvent être tout à fait contre-productifs car, bien entendu, il est bien plus simple de soigner des personnes qui sont d'accord pour se soigner que des personnes qui s'opposent aux soins qui leur sont proposés. Les médecins sont soumis également à des contrôles d'organismes extérieurs. Et parmi eux, il y a la commission des hospitalisations en psychiatrie, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, des commissions européennes. Et puis, depuis 2011 et révisée en 2013, une audience public se tient dans les hôpitaux psychiatriques, une audience qui est dirigée par un juge des libertés de la détention. C'est ce qu'a montré Raymond Depardon dans son documentaire 12 jours. Ce magistrat va vérifier la validité des procédures de soins sans consentement et va aussi entendre les patients qui bénéficient de cette mesure, et il les entend au titre de citoyens. C'est-à-dire que même si les personnes sont troublées, eh bien, elles ont quelque chose à dire sur leurs conditions d'hospitalisation et leur prise en charge, et le magistrat les entend. Il y a plusieurs formes d'hospitalisation sous contrainte. Les plus fréquentes, ce sont les hospitalisations à la demande d'un tiers, c'est-à-dire d'un proche, d'un ami, de la famille. Mais l'hospitalisation peut être aussi sollicitée par le préfet de police dans le cadre d'une dangerosité de nature pathologique. Elle peut être également sollicitée par un médecin extérieur à l'établissement dans le cadre d'une procédure d'urgence, quand on n'a pas trouvé de tiers qui peuvent soutenir ou donner leur position face à la personne qui souffre de troubles psychiques. Alors, ces dernières années, nous avons été alertés par l'augmentation préoccupante de ces mesures. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sont les médecins qui ont peur de prendre des risques de la liberté ? Est-ce qu'il y a trop de rechutes parce que les personnes sont pas suffisamment suivies ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges avec les patients pour promouvoir l'alliance thérapeutique et promouvoir un soin librement consenti ? Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a nécessité dans les équipes d'observer la forme que prend les soins et d'évaluer les soins sous contrainte et de promouvoir des stratégies d'alliance thérapeutique. Et en particulier, il y a beaucoup d'efforts actuellement sur la prévention
et la prise en charge des personnes plus jeunes dont il faut s'occuper de façon extrêmement attentive et pour lesquelles il faut promouvoir une observance du traitement importante pour éviter les rechutes et la désinscription dans la vie sociale, dans la vie scolaire ou dans la vie professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont mis sur la prévention des rechutes, sur la prise en charge des comorbidités toxiques qui sont très importantes chez les personnes qui souffrent de troubles psychiques, et aussi des programmes, ce qu'on appelle les plans anticipés de crise, où les personnes qui ont déjà rechuté organisent elles-mêmes la façon dont elles souhaiteraient être prises en charge si elles rechutaient. De façon synthétique, il existe maintenant une médecine plus collaborative avec les patients, même ceux qui ont des gros troubles psychotiques. Ils sont sans doute mieux accompagnés, beaucoup plus mobilisés à s'emparer eux-mêmes de la maladie, et ils sont engagés dans des programmes d'éducation thérapeutique pour mieux connaître leur affection. Et savoir mieux la traiter, mieux la dominer de façon la plus autonome possible. Pourquoi à notre sens aussi cette augmentation, et qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux où vous entendez régulièrement parler de la situation critique? Alors je pense qu'il y a trois points à soulever. Le premier, c'est qu'il y a un climat dans notre société très sécuritaire et qui probablement s'insinue insidieusement sur les pratiques des soignants, où on prend peu de risques ou peu de risques de la liberté. Il y a eu une politique de fermeture des lits en psychiatrie qui a été très importante. Il y a la moitié des lits en psychiatrie qui ont fermé sur une quinzaine d'années, et le dispositif de psychiatrie est saturé. Alors ces fermetures de lits ont été sous-tendues par la volonté de promouvoir les soins ambulatoires, ce qui est une bonne chose, mais aussi ont eu des raisons économiques, parce que l'hospitalisation coûte cher. Et le dispositif saturé compromet la qualité de l'accueil des soins et donc la promotion des alliances thérapeutiques et de la prévention des soins. L'autre aspect, c'est que l'hôpital en général, mais aussi l'hôpital psychiatrique, s'est organisé beaucoup sur le mode de l'entreprise, avec une volonté d'avoir plus d'efficience, plus de performance, plus de rentabilité, avec des modèles plus économiques. Et ces aspects-là ont eu un impact très délétère, je pense, sur la qualité des soins, car un des aspects du soin psychique, c'est qu'il est aussi un soin relationnel. Et le soin relationnel est coûteux en temps. Et s'épargner le temps, c'est aussi risquer de déraper dans une modalité plus économique, plus coercitive et donc plus inhumaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, j'appelle notre quatrième intervenante, Marie-Christine Lipany. Marie-Christine est maîtresse de conférences en sciences de l'information à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Elle est elle-même ancienne journaliste et elle est membre de l'Observatoire de la déontologie de l'information, et elle est observatoire qui, entre autres, a publié cette plaquette à l'attention des journalistes, voilà, pour les alerter sur... le fait que la mauvaise utilisation du vocabulaire, la façon dont on parle de la maladie mentale peut transmettre, continuer à véhiculer des clichés dans la société. Donc voilà, cette plaquette était un petit mémo informatif absolument nécessaire. Marie-Christine Lipany.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais effectivement vous parler de médias. Comment les médias parlent-ils de la folie ? Comment parlent-ils des troubles psychiques ? Ce sont, de mon point de vue, des questionnements qui me paraissent très pertinents parce qu'ils se situent dans le champ éthique, dans la relation à l'autre, dans le vivre ensemble. Et puis, par ailleurs, la santé mentale est une importante question de santé publique, puisque je crois, si je m'appuie sur les chiffres de l'OMS, que les troubles psychiatriques seraient au troisième rang des maladies les plus importantes après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc, quand on sait ça, on se rend bien compte des enjeux, et il y a toute une légitimité à s'interroger sur la médiatisation des troubles psychiques qui suscite un certain nombre de débats et de controverses. Alors, est-ce que pour les journalistes, parler des souffrances psychiques, des troubles psychiques, est-ce que c'est un sujet à risque ? Moi, je m'y intéresse. Je m'y intéresse doublement parce que je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication et que je travaille sur le fonctionnement des médias et que je m'intéresse bien sûr à toutes les problématiques liées à la médiatisation. Je m'y intéresse parce que je suis une ancienne journaliste. J'ai été journaliste en presse écrite pendant plus de 20 ans et j'ai expérimenté directement sur le terrain la difficulté à parfois aborder des sujets pour lesquels on n'est pas forcément préparé, on ne sait pas grand-chose, parce que quand on est un journaliste généraliste, on n'est pas forcément compétent pour parler de psychiatrie ou de troubles psychiques. Je m'y intéresse à ces questionnements parce que je suis depuis très longtemps enseignante dans une grande école de journalisme et que moi j'ai à cœur d'aider les jeunes entrants dans la profession à se saisir de ces sujets sensibles, de ces sujets complexes et à rentrer dans cette complexité en se délestant des idées préconçues, des a priori, en laissant un peu de côté leur certitude. Et apprendre aux journalistes à se défaire de leur certitude, c'est pour moi un préalable à une démarche journalistique responsable et éthique et déontologique. Alors pourquoi est-ce si important de s'intéresser à la médiatisation ? Parce que les médias constituent souvent une source d'information première importante pour de nombreux individus. Et puis parce que les médias, à travers les normes, les modèles et les représentations qu'ils diffusent, agissent un peu comme l'école, comme la famille, comme des agents de la socialisation. Et on sait bien, les professionnels de la psychologie le savent bien, que les représentations sociales, et notamment celles qui sont diffusées dans les médias, vont agir comme des grilles de lecture et vont orienter nos comportements. Et parfois, ces représentations sociales, elles s'opposent aux connaissances savantes et scientifiques. D'où pour moi l'importance de s'intéresser à la médiatisation. Alors si on regarde un peu cette médiatisation, il y a effectivement de nombreuses études en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui montrent des traitements de la maladie mentale qui sont considérés, sans doute à juste titre, comme relativement négatifs. Alors quels sont ces principaux traitements médiatiques qui seraient négatifs ? Ben, par exemple, le fait de placer systématiquement la maladie mentale, la souffrance psychique, dans le fait divers ou dans le sensationnalisme, le spectaculaire. Les titres racoleurs, voire un peu stigmatisants. Je citerai un seul exemple, je crois que c'était en septembre 2017, un grand quotidien régional du sud de la France fait une enquête assez bien documentée sur la prise en charge des malades psychiques et à la une met un titre « Les barjots, les schizos et les autres ». Vous imaginez l'émotion qu'un tel titre a pu susciter auprès des malades et certainement auprès de leur famille.
Il y a aussi d'autres traitements qui peuvent alerter, comme le fait, par exemple, par les journalistes, du détournement des mots de la psychiatrie. Quand on dit, par exemple, tel personnage politique est schizophrène ou autiste, on voit bien que là, on dénature complètement les mots de la psychiatrie. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très, très récurrent dans la plupart des études, c'est d'associer systématiquement, enfin de manière quasi systématique, là, les troubles psychiques à la dangerosité, à la criminalité, voire au terrorisme. Ce sont, de mon point de vue, des raccourcis un peu dangereux et un peu faux, parce que les spécialistes, les praticiens le savent bien, les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont plus sujettes d'être victimes de violences que d'être elles-mêmes autrices de violences. Je citerai juste une étude, l'étude de l'université McGill au Canada, qui de 2005 à 2010 avait étudié un grand corpus d'articles de presse et qui montrait que dans la presse canadienne, presque de 40% des articles associaient la maladie psychique à la dangerosité et seulement 12% des articles traitaient des troubles psychiques d'une manière un peu plus positive. Alors, on sait aussi les conséquences de ces représentations négatives, hein, le fait, là les professionnels en parlent mieux que moi, le repli sur soi, l'exclusion, l'isolement, ça peut aussi avoir des conséquences sur l'accès aux soins, voire sur les politiques publiques et sur les financements. Alors, on peut être indigné, voire interpellé par le traitement médiatique, c'est vrai. Je voudrais quand même rappeler que ce que les médias donnent à voir du monde, comme le disent les sémiologues, ce n'est pas le monde, c'est une construction, c'est un récit sur le monde. La manière dont les rédactions hiérarchisent l'information, les procédés discursifs qui participent à la mise en scène de l'information, des contenus médiatiques, les choix éditoriaux, tout cela, ça relève d'une part des attentes supposées des lecteurs, mais aussi ça relève de la liberté de la presse et de mon point de vue, il est toujours quelque peu dangereux de vouloir dire ce qui est un bon ou un mauvais choix éditorial. Alors, malgré tout cela, il y a quand même, me semble-t-il, ces dernières années, une certaine évolution dans le traitement médiatique. On se rend compte que de nombreux journalistes prennent conscience des enjeux et on peut voir parfois sur les sites en ligne, voire sur certaines chaînes de télévision, des chaînes de documentaires, des reportages qui font cas de beaucoup d'humanité, de beaucoup de pudeur et qui abordent la souffrance psychique d'une façon complètement pas du tout stéréotypée ou avec pas du tout de préjugés. Alors, moi je voudrais aussi vous parler un petit peu du travail des journalistes, des rédactions pour comprendre un peu les mécaniques qui sont en puissance. Le travail des journalistes se situe toujours au carrefour de différentes logiques, des logiques économiques, des logiques organisationnelles, des logiques de la réception, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et ben c'est vrai, les rédactions sont un peu poussées à une hyper réactivité, voire à une production en continu. Et ça peut nuire à la qualité des rédactions, des contenus. Et ça, effectivement, c'est important. Malgré tout, moi, il me semble que ce travail sur la déstigmatisation des troubles psychiques passe aussi par les médias. Parce que ça ne peut pas se faire sans les médias. À l'IJBA, par exemple, au sein de mon école, depuis plusieurs années, moi, je fais tout un travail avec les acteurs du programme Papageno, qui est mis en place par la Fédération de psychiatrie des Hauts-de-France. C'est un programme qui est dédié à la médiatisation du suicide. Et pendant une journée, des psychiatres viennent travailler
avec les journalistes, les jeunes journalistes. Il ne s'agit pas pour les psychiatres d'arriver en disant « voilà comment il faut faire votre travail », mais plutôt de voir comment, avec les journalistes, ils travaillent par groupe, de voir comment un traitement, une image peut être mal ressenti, peut aussi entraîner pour le suicide un effet de contagion. C'est une expérience qui est doublement pédagogique et doublement dynamique, parce que non seulement les apprenants journalistes apprennent comment les psychiatres travaillent, mais en même temps, les psychiatres qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des médias apprennent aussi quel type d'attentes ont les journalistes, comment ils fonctionnent et comment il faut aller à l'essentiel quand on a une interview dans une télé ou dans une radio. Donc c'est doublement pédagogique. Moi je crois qu'il faut favoriser des passerelles, des lieux d'échange, des rencontres pour que psychiatres et professionnels de l'information parlent ensemble, travaillent ensemble. C'est ce que je fais. Moi, j'ouvre aussi mes cours à des psychiatres qui viennent expliquer aux journalistes ce que c'est que la schizophrénie, ce qu'est un trouble bipolaire. Et pour ma part, chaque fois qu'on me le demande, j'interviens dans des congrès de psychiatrie pour expliquer aux journalistes, pour expliquer aux praticiens comment travaillent les journalistes. Et ces espaces de rencontre me paraissent aussi fondamentales. Ce que je voudrais dire aussi, parce que vraiment ça me tient très à cœur, je crois que la lutte contre ces clichés qu'on peut voir dans les médias passe aussi par une importante éducation aux médias. C'est vraiment important depuis très jeune de sensibiliser les adolescents, les enfants aux médias, à l'éducation aux médias, parce que comme le remarquent beaucoup de chercheurs en neurosciences, c'est pas forcément l'ignorance qui est source de stigmatisation, c'est plutôt l'illusion de la connaissance. Et avec Internet, on est persuadé de savoir des tas de choses, d'autant plus qu'on le sait, il y a des biais cognitifs qui font que dans les contenus, on ne sélectionne que ceux qui confirment nos propres croyances. Donc l'éducation aux médias nous me paraît vraiment, vraiment fondamentale et c'est une démarche qu'il faut prendre en considération de plus en plus. Voilà, je vous remercie. Eh bien, c'est déjà le dernier intervenant de ce soir. Nous allons passer sans transition aux mathématiques. Et donc, je vais accueillir Jean Dombre, qui est mathématicien et historien des mathématiques, chercheur au CNRS, fondateur de la revue Sciences et Techniques en Perspective, et qui va nous parler de Alan Turing, sa machine à l'origine de tous nos ordinateurs, et de sa folie. Merci beaucoup. Bon, bonsoir. Le mieux peut-être pour commencer, c'est de passer une petite séance de vidéo qui représente, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La machine de Turing, qui représente les questions qui sont posées à Turing. Il est interrogé par un détective, ça va être la fin de sa vie et la meilleure solution c'est de commencer par là et vous allez voir que le mot fou intervient à plusieurs reprises de la part de Turing, de la part du détective aussi bien. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle ? Penser ne serait donc pas réservé à l'âme humaine, monsieur Turing ? Ah, alors voilà ça. Ça, c'est une excellente question. Sergent, selon vous, une machine n'a pas d'âme et donc ne peut pas penser. C'est QFD. La semaine prochaine, vous devriez être invité à ma place sur le thème « Pourquoi les machines ne pensent pas ?» Donc, selon vous, une machine ne pourra pas être considérée comme intelligente, tant qu'elle n'aura pas été capable de d'écrire un sonnet ou de composer un concerto. Mais je peux le comprendre. Hein. Mais moi, je ne vois pas pourquoi, dès lors qu'une machine calcule, exécute, apprend, elle ne pourrait pas aussi penser. Il faut simplement se libérer de toutes nos certitudes. Et ça, voyez-vous, c'est le cas de figure commun à tous les révolutionnaires, les inventeurs, les visionnaires. Les verrous. Je suis fou.
Peut-être. Donc, le sujet est lancé, le mot est lancé. Fou, une assertion d'abord, pour commencer. Vous êtes fou. Et vous avez entendu, une interrogation. Je suis fou. De Turing. Parole contre parole, si l'on veut, sauf que la forme que Turing prend pour s'exprimer, nous n'avons pas les données exactes, c'est une pièce de théâtre à partir de mémoire, effectivement, de Turing, mais enfin, les données sont que, constamment, Turing, qui est un esprit brillant, ceci est indéniable, et qui a fait des inventions absolument extraordinaires, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est les 10, 15, 20 dernières années pour lesquelles il est connu. Mais Turing doute, s'interroge sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait du point de vue scientifique, c'est bien de cela dont il s'agit. Et s'interroge, disons, est-ce que j'ai agi raisonnablement. C'est un mauvais adverbe, en l'occurrence. En tout cas, pour un mathématicien, c'est un grand mathématicien, Turing. Il faudrait dire rationnellement, au lieu de raisonnablement, mais rationnellement en utilisant la racine latine de ratio. Ce que l'on dit en grec, le logos. C'est-à-dire, c'est un rapport. Une proportion. J'établis un lien, mais un lien de rapport, un lien de proportion. Vous entendez, j'ai dit logos, un lien d'analogie entre quelque chose et quelque chose d'autre. J'ai aussi prononcé le mot proportion. Et pour tout mathématicien, ceci a une signification. La proportion, on dit bien un visage bien proportionné. On dit aussi que les colonnes du Parthénon sont bien proportionnées. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, constamment se souvenir que quand il s'agit de mathématiques, en tout cas quand il s'agit d'un certain type de découverte en mathématiques, la beauté n'est jamais loin. Ou le rapport que l'on peut entretenir, que l'on peut avoir, que l'on peut développer, que l'on peut essayer de faire, de prendre conscience. Donc, voilà la question. Alors, la question que peut se poser, que pourrait se poser Turing, c'est y aurait-il un rapport, une bonne proportion dans ce que j'ai fait, ce qu'il a fait? C'est, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui partout la machine de Turing, c'est-à-dire c'est une machine de pensée, mais qui, d'une façon très technique, permet, disons, et la structure théorique qui fait marcher nos ordinateurs. Naturellement, sur les ordinateurs, en plus de la pensée de Turing, c'est greffé un moyen physique extraordinaire, l'électronique, il ne faut pas l'oublier. Donc, Turing se pose... comme quelqu'un qui invente quoi? Il invente une machine. Où est la proportion? Où est la... Je n'emploie pas le mot de beauté, ce ne serait pas tout à fait adapté complètement, mais où est le rapport? Le rapport, c'est qu'il dit explicitement que la façon dont il a inventé sa machine, et il dit explicitement, j'ai inventé. Il n'y a pas d'absence de prise de conscience. J'ai inventé quelque chose qui est exactement, et c'est ça la proportion, c'est ça l'adéquation quasiment, qui est exactement la façon dont un être humain calcule. Je dis bien calcule, addition, multiplication, division, extraction de racines carrées éventuellement, etc. Nous calculons, certes on a été éduqués pour ça, mais nous calculons d'une certaine façon, la machine aussi. Pas mieux. C'est là la proportion. C'est là l'adéquation, le rapport. Oui, mais allons un tout petit peu plus loin. La machine calcule, et il y a dans le mot calcul une feinte, il y a toujours un autre sens. Calculer son intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas chez Turing? C'est une interrogation qu'il a.
Est-ce qu'il n'y avait pas chez Turing une volonté, un désir de gloire, peut-être éventuellement, mais de faire que la machine pense ? Entendu, il a dit « elle sent bon, ». C'est la pièce de théâtre. Turing n'emploie pas ces mots-là. Mais que la machine pense à notre place. Et ce serait un calcul de volonté de puissance. Bon, ceci dit, la découverte de Turing, c'est d'abord et avant tout que la machine, certes, elle calcule, mais elle ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'elle ne peut obtenir que ce qui est le mot de Turing, computable, que, en français on met calculable, ce qui est tout à fait correct. C'est-à-dire que la machine elle-même, en elle-même, de par sa structure, ne peut donner que du calculable. Or, et c'est ça la remarquable invention intellectuelle de Turing, ce qui est calculable, parmi l'ensemble des nombres auxquels nous pouvons penser, avec lesquels nous pouvons travailler, etc., ce qui est calculable, comme on dit en anglais, c'est peanuts. Il n'y en a pas, pratiquement pas. L'essentiel des nombres, développement décimal illimité, etc., n'est pas calculable. Donc, ne ressortissent pas de la machine de Turing. Or, les hommes pensent des nombres non calculables. Ce n'est pas une démonstration que je suis en train de faire, ni Turing, mais quand même, il y a une puissance de pensée derrière qui n'est pas quelconque. Et de la même façon que du temps des Grecs, on a inventé, c'est pour ça que j'ai commencé par ratio, on a inventé une expression typiquement ironique. Les mathématiciens, d'habitude, on prétend qu'ils n'ont pas d'humour, mais en l'occurrence, ils ont de l'humour, ont inventé le mot « irrationnel », qui veut dire « ce sur quoi je sais calculer ».« Ce sur quoi je sais calculer ». Si racine carrée de 2 est certes un nombre irrationnel, il n'empêche que j'ai une théorie des proportions, précisément, avec laquelle je peux calculer. Donc, vous voyez, la démarche et l'interrogation de Turing, elle correspond un peu, à cette démarche assez générale que nous pouvons trouver chez un certain nombre d'inventeurs. Galilée, par exemple, bon, c'est l'exemple typique. Mais pourquoi s'en priver ? C'est l'exemple typique de quelqu'un qui, depuis à peu près 1600, à peu près, 1600, il va mourir en 1642. Depuis 1600, estime que la Terre se meut. Je ne vais pas dire plus de choses. Et en même temps, ne publie pas à ce sujet. Ne publie pas parce qu'il n'a pas à sa disposition de preuves suffisamment convaincantes. De preuves, elle ne sera pas de type mathématique. Encore que. Et l'exemple qu'a trouvé à un moment donné, tard dans la vie de Galilée, l'exemple qu'il a trouvé, qui est tout à fait voisin de cette histoire dont je parlais sur l'incalculable chez Turing, c'est la Terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'image de la Terre comme un bateau qui vogue dans l'espace ? Et si vous êtes sur un bateau, vous pouvez penser, en montant au haut du mât, qu'en lançant une pierre, en laissant tomber une pierre du haut du mât, allez, on n'a pas besoin de faire un interrogatoire, mais la pierre tombe évidemment au pied du mât. Bien, de la même façon, nous hommes vivant sur Terre, nous ne pouvons pas mettre en évidence le mouvement de la Terre, sauf sortir de la Terre. Mais malgré tout, cette expérience de pensée que je viens d'expliquer, qui est de Galilée lui-même, de même que l'incalculable de Turing, ce sont en gros des sortes de raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire, ce n'est plus celui qui doit faire la preuve du mouvement de la Terre qui est en cause. C'est celui qui prétend que la Terre est fixe. Au nom de quoi ? Si la Terre est fixe, au nom de quoi ? Eh bien, la pierre lancée du haut du mât tombe au pied du mât. La révolution scientifique
Alors je ne dis pas que c'est une pratique de bon sens, etc. Mais la révolution scientifique et celle, la révolution informatique que fit Turing, sont du même ordre, c'est-à-dire montrer qu'un certain sens commun, une certaine habitude, une certaine forme de pensée ne convient pas, ne marche pas. Et il faut du courage. Et alors, non seulement il faut du courage, mais souvent dans les écrits des scientifiques, on trouve, je pense précisément à Johannes Kepler dans un livre qui s'appelle L'astronomie nouvelle en 1609, là, il est au milieu d'un calcul, il est ennuyé. Bon, le problème, c'est de montrer les trajectoires elliptiques des planètes, dont notre Terre. Et il s'arrête. Bon, il écrit en latin mauvais, d'ailleurs, mais peu importe. Et il s'arrête. Mais je suis fou. Je suis en train d'essayer de démontrer le contraire de ce qui est ma motivation. Et c'est un grand tournant dans l'affaire de Kepler. On est sûr, à cause des dates, à cause des manuscrits, etc., on est sûr que ce n'est pas de la rhétorique. C'est-à-dire que quand il a commencé à écrire son livre, il ne travaillait pas, il n'avait pas pensé la bonne solution. Alors, je termine, si vous voulez bien, en vous lisant, parce qu'il me semble que c'est ça qui permet peut-être, de réfléchir sur cette folie de la nouveauté, mais en même temps, la douleur, hein, je suis fou, ce n'est pas rien. Et je me permets de vous lire, c'est possible, quelques lignes d'un texte admirable, c'est en français, c'est qui correspond bien au thème, en tout cas, que je voulais traiter avec Turing, qui est l'éloge de la folie d'Erasme, donc un texte du début du XVIe siècle. Est-ce aux sages qui, par modestie ou timidité, ne s'attaque jamais à rien, ou aux fous qui, vides de modestie et inconscients du danger, ne s'effraient jamais de rien. Le sage se réfugie dans les livres des anciens et n'en apprend que de pures arguties de langage. Le fou qui aborde les réalités et en fait l'épreuve corps à corps, c'est lui, si je ne me trompe, qui acquiert le bon sens. J'ai oublié de dire que la personne qui parle, c'est la folie. Bien qu'aveugle, Homère semble avoir vu cela quand il dit « Le fou s'instruit à ses dépens ». Je vous remercie. Alors, je vais juste préciser que l'extrait qu'on a vu, c'est une pièce qui s'appelle « La machine de Turing » de Benoît Solès et qui est mis en scène par Tristan Petit-Girard et qui se joue en ce moment jusqu'au mois de juin au Théâtre Michel. Donc voilà, on vous invite à aller la voir. Et je vais rappeler nos 5 intervenants de ce soir et moi-même, j'aurai un micro à faire passer dans le public. Donc venez tous les 5 et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, profitons de nos intervenants. Non, tu peux l'enlever. J'arrive tout de suite. Je crois que j'ai vu monsieur et après je viens vers vous. Merci, bonsoir. Je suis étonné par les langages. J'avais pensé pendant la conférence à 3 expressions. Il n'y en a qu'une là qui me revient tout de suite, c'est le nombre de personnes qui disent « tu as raison ». J'ai même eu un ami décédé maintenant, ingénieur, qui employait automatiquement, pratiquement ce terme. Je lui ai dit, mais oui, mais on peut avoir raison tous les deux, être d'accord sur un truc et se tromper tous les deux, en fait. Mais c'était un tic de langage qu'il a emporté dans son cercueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce besoin, est-ce que c'est la peur de perdre la raison aussi qui fait tenir ce langage? Moi, je termine en disant qu'une raison non partagée devient de la déraison. Bon, je pense que c'était plus un témoignage parce que
Je ne sais si un de nos intervenants veut se... Je peux vous répondre, monsieur. Je vais vous faire une citation de Kant qui dit qu'un homme solide, c'est celui qui est capable de supporter un maximum d'incertitudes. Et moi, je félicite d'abord la densité vraiment de l'exposé. Et il a été dit beaucoup de choses. Mais j'ai une petite question, bon, qui est une question tout simplement, comme on disait, de ce problème-là que l'on trouve finalement dans toutes les sociétés. Mais sauf que, bon, en Europe, il est décrit par tout un mécanisme général. Et c'est pourquoi la question me vient souvent. Dans l'expression que l'on rencontre partout dans la rue, il est une expression qui dit, et parfois, quand on développe une passion, on veut faire quelque chose, il est fou de l'art, il est fou de lecture, il est fou de ceci, il est fou de cela. Comment il faut interpréter cette expression qui, normalement, est née, je crois, en ayant constaté l'aspect que vous venez de soulever, là, de la question de la folie elle-même. Comment on l'inscrit dans l'ensemble de ce que nous appelons là la psychanalyse, la psychiatrie et le malaise social général, puisque c'est le malaise social, il est maintenant presque universel. Merci. Alors, je vais faire un petit rappel quand même que nous avons 5 intervenants qui ont chacun des domaines de compétences, parce que là, j'avoue que c'est peut-être un peu compliqué d'y répondre, mais si un veut se risquer... Bah. À propos de ce que vous dites sur la folie, je vais mentionner que ce que l'on qualifie de fou est souvent du côté de l'excès, mais il y a des excès qui sont, alors excès d'euphorie, peut-être excès de tristesse, excès d'immobilité, mais certains excès sont parfois tout à fait bien admis. Et la question, c'est de savoir à partir de quand certaines folies sont considérées ou basculent comme peuvent être considérées comme des faits pathologiques, comme un mode d'être qui ne convient pas à quelqu'un. Parce que sinon, la folie, elle est aussi très, très... C'est le ressort de la création. Les poètes en ont beaucoup parlé. Et si certains poètes ont pu avoir de grandes souffrances, tous n'ont pas forcément très mal vécu. Donc, le lien création-folie existe. Et puis, y compris dans les folies les plus douloureuses, il y a des ressources de création également. Alors, vous voyez, c'est pour ça que quand on utilise des expressions du type « Oh, mais t'es complètement fou », alors ça peut témoigner de stupeur, d'étonnement, pas forcément de rejet, ça demande du temps pour y réfléchir. Bon. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être venue jusqu'ici et d'avoir entendu vos 5 points de vue sur la psychiatrie et j'avais une question par rapport à votre temps de parole Paul Bretéché sur le fait que vous avez évoqué la nécessité d'une équipe pour soignante pour aider une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques. Et moi, j'ai en tant que proche de personnes qui ont une expérience d'internement, j'ai pas l'impression qu'il existe beaucoup d'équipes soignantes ou d'établissements, ou en tout cas, j'en suis pas informée. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des exemples d'établissements, pas forcément à Paris, mais en province aussi, ou un site de référence sur Internet, sur le ministère de la Santé ou que sais-je, qui pourrait informer les proches de telle prise en charge dont je n'ai vraiment jamais eu vent. Et aussi, par rapport à votre discours, Nathalie Gilou, vous parliez de programmation d'éducation thérapeutique. Et donc, c'est pareil, à titre... Je ne sais pas si vous avez plus d'informations là-dessus, mais ça m'intéresserait de le savoir. Et merci pour le documentaire 12 jours au Sagré-Monde, pardon. Voilà.
Oui, la question que vous posez, on peut répondre qu'il y a quand même, heureusement, des endroits qui essaient de travailler selon ce que un psychiatre, qui est le fondateur de la clinique de la Borde, Jean Houry, qualifie de collectif. Ça ne veut pas du tout dire collectivisme, mais si on prenait toujours la métaphore du football, on peut dire qu'il ne suffit pas d'avoir une équipe pour avoir des joueurs qui jouent très bien les uns avec les autres. Bon, là, dans le cas d'une équipe de soins, j'assistais sur l'apport que chaque soignant peut apporter dans sa singularité, aussi minime que soit cet apport ou tout à fait éclairant. Et ce principe de travail se maintient dans un certain nombre d'endroits en France, fort heureusement. Le pire, c'est quand tout est effectivement est réduit à de l'homogène, à du semblable, d'une manière un petit peu hiérarchisée et militaire. Hein. Mais si vous voulez qu'on en parle, je pourrais vous en donner quelques adresses. Il existe, alors par exemple, c'est le cas dans l'hôpital où j'exerce, à l'hôpital du Vinati à Lyon. Maintenant, chaque service a un espace pour les familles, pour rencontrer les familles et pour discuter de la situation singulière du patient et de la relation singulière qu'il entretient avec son environnement. Il existe aussi pour les familles des groupes qu'on appelle les groupes pro-famille. Alors, ce sont de véritables formations, si je puis dire, pour les familles qui sont... Alors, moi, je participe à certaines qui sont vraiment intéressantes. Et ce sont comme des cours aux familles sur la maladie. Si vous voulez, la famille est instruite sur ce qu'on fait à l'hôpital psychiatrique, comment on soigne, comment ça s'organise, sur tous les aspects. Et ces formations, certaines durent jusqu'à 2 ans. Alors, il y a plusieurs modèles de formation. Il y a une formation courte sur quelques heures, comme ça, sur 15 jours. Mais il y en a qui sont très longues. Et les familles apprécient énormément. Les retours sont très positifs pour ces échanges. Et nous-mêmes... On est très sensible aux observations des familles. Souvent, on ne ressent pas la même chose, mais on a intérêt. On baigne tellement dans l'hôpital que des fois, on est aveugle sur les conditions des prises en charge et ce qu'on peut faire vivre aux proches. Et il est bon qu'on ait des retours des familles sur leur vécu dans l'hôpital. Alors ensuite, sur la question de l'éducation thérapeutique, eh bien, ce sont des formes assez récentes dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, le soin psychique n'est pas exclusivement de l'éducation thérapeutique, hein, je suis très prudente là-dessus, mais ce sont des séquences où les patients sont informés, alors même qu'ils peuvent être encore très affectés par le trouble, de ce que c'est la maladie, quels sont les symptômes, comment on soigne, quels sont les risques, que sont les comorbidités, et comment peut évoluer leur maladie, comment se prendre en charge, comment reprendre le travail, etc. Et ces modèles permettent aux patients de mieux s'emparer des soins et d'être plus autonomes dans leur prise en charge. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant en soi. Mais ce sont des pratiques intéressantes qui sont retenues dans les services, dans l'ensemble. Oui. C'est bon ? Bonsoir. Ma question s'adresse encore à Madame Gilou, parce que je vois que vous dirigez même une formation sur les soins sans consentement. Je connais pas bien les termes, mais je voulais juste apporter un témoignage parce que vous évoquiez qu'il y avait cette année ou les années précédentes une augmentation des internements sans consentement, me semble-t-il. Je voudrais juste apporter. Et vous disiez que ça pouvait ressortir d'une certaine ambiance en ce moment dans le pays de restriction des libertés. J'ai un exemple à apporter puisque j'ai un ami qui était anthropologue, ethnologue, maître de conférences à Libreville et qui est venu en France
pour s'occuper de ses enfants. Bon, c'est une sorte de fait divers. Il emmène son enfant à l'école. Il y a une altercation à la sortie de l'école. C'est un ami, il est très potache et il finit par dire des choses vive la France, enfin, une altercation potache. Il se fait interpeller par les forces de l'ordre. Dans l'altercation, il avait dit vive la France, vive Daesh. Mais comme ça, en rigolant. Il a un humour assez spécial, c'est vrai. Cet humour l'a conduit en internement d'office. Il a été auditionné donc par la police, qui a jugé qu'il était dangereux. Et avec toutes ces lois là qu'on nous a pondues récemment, dont on dit qu'elles sont liberticides, bon bah moi c'est un exemple très proche parce qu'il m'appelle et il est interné. Ce garçon s'est défendu, mais il y a probablement des procédures assez strictes. Et là c'est un internement d'office par le préfet, si je ne m'abuse. Il n'a pas pu s'en défaire. Il y a probablement des principes de précaution, n'est-ce pas, qui s'appliquent. Et ce garçon a été médicamenté, il a été interné, il a passé 2 mois à l'hôpital psychiatrique, médicamenté de force. J'ai été confronté à l'opacité de la procédure. J'ai eu beau faire appel à toutes mes relations dans la psychiatrie, etc., qui ont appelé, et moi-même appelé la police, on était sans arrêt confrontés au secret de l'instruction, parce qu'on est là dans des cas de sécurité nationale, vous comprenez. Il n'y a pas moins dangereux et moins fou que lui. C'est juste un témoignage, et je me demandais si l'augmentation de ces internements d'office pouvait pas aussi être dû à ces procédures vraiment draconiennes, quoi, qui sont... pour la petite histoire, il est retourné finalement, dès qu'il a été libéré, il a sauté dans l'avion et il est retourné enseigner à Libreville. Alors, ces modalités de soins à la demande du préfet de police, elles existent depuis toujours. Alors, elles ont... On parle actuellement de soins à la demande du représentant de l'État. Auparavant, on parlait d'hospitalisation d'office. Mais le préfet de police ne peut pas décider d'une hospitalisation sans consentement, sans qu'il y ait un médecin et des médecins, surtout si vous dites sur 2 mois. Sur 2 mois, ça veut dire au moins 4 médecins qui ont certifié la nécessité de cette prise en charge. Alors, moi, c'est délicat de répondre sur cette question parce que je n'ai pas. Chaque situation est singulière et je n'ai pas les détails. Mais il faut que plusieurs médecins évaluent la situation. Et je suis d'accord avec vous, c'est que surtout dans ces soins à la demande du préfet de police, eh bien, il y a une prudence sécuritaire qui est très importante. Et il y a souvent beaucoup de situations où. Il faut intervenir alors justement par le biais des audiences à l'hôpital psychiatrique avec le juge des libertés. Oui, ce que vous dites alors témoigne de ce qui se passe aujourd'hui avec, dans le contexte de l'augmentation générale des hospitalisations sans consentement, et je crois qu'on peut là très très simplement se dire que cette augmentation, c'est aussi un signe de l'accueil qui était possible en psychiatrie quand il y avait plus de structures disséminées sur le territoire. Quand elles ne sont plus là, ces structures où quelqu'un peut faire appel très facilement, et moi je me souviens d'avoir été interpellé par un commissariat de police, et à ce moment-là, bon... On acceptait de travailler avec le commissariat. Et ça ne se terminait pas par un internement. Et quand il n'y a plus ces possibilités d'accueil à la suite d'appels, qu'est-ce qui se passe? Tout converge vers de grands lieux d'urgence. Vous voyez à Paris, où des praticiens et les soignants sont totalement débordés de quelques disciplines que ce soit. Et alors, évidemment, tout est traité très très rapidement et des décisions sont prises parfois un petit peu hâtivement. Parce que depuis le début, c'est ce que tu disais aussi, depuis le début, la psychiatrie est prise
psychiatrie dans une tension contradictoire. Alors, quand on parle de psychiatrie, on ne parle pas des nombreux petits malaises. Je veux dire, il y a flopée de thérapeutes. Tout le monde peut trouver son thérapeute pour tel ou tel malaise. C'est très répandu et on trouve de nouvelles catégories de malaises qui relèvent de thérapies particulières. Ce n'est pas le problème de la psychiatrie. Et le problème de la psychiatrie, c'est vraiment les grandes souffrances, les grands états de grande détresse dans lesquels les personnes sont vraiment au bout du rouleau, sont vraiment dans un grand déchirement. Et alors, dans ces cas-là, depuis le début, la psychiatrie est tiraillée entre, d'une part, une volonté de contrôle social, c'est indéniable, puisqu'il y a des lois qu'il n'y a ni en médecine, ni en chirurgie, ni en obstétrique, et puis une visée thérapeutique très très authentique. Et pendant tout un temps, et ça reste encore vrai, le travail des équipes de psychiatrie a été de déplacer le curseur pour qu'il y ait le moins possible, mais il y en aura toujours, d'hospitalisation sous contrainte. Bonsoir. Moi, c'est une question assez générale sur la folie. Et je me demandais, en fait, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent il y a de plus en plus de fous, que ce soit, on peut en croiser dans la rue, dans le métro, peu importe. Enfin, la question, c'est est-ce que c'est une réalité qu'il y a de plus en plus de fous, si on met ça par rapport aux autres siècles, où est-ce qu'on en est dans la folie? Peut-être que vous y avez déjà répondu en disant qu'il y avait de plus en plus d'hospitalisations non consenties. Et si c'est le cas, s'il y a vraiment plus de fous actuellement, à quoi c'est lié? Voilà, merci. Alors écoutez, les dernières évaluations épidémiologiques n'ont pas repéré qu'il y avait plus de maladies mentales. C'est plutôt stable, mais c'est plutôt la façon de les accueillir et de les traiter qui change. Mais le nombre de maladies est bien stable. Alors, je parle des grosses affections, des troubles schizophréniques et des maladies bipolaires. Du coup, la question, c'est comment vous mesurez ça? Ah ben, ce sont des évaluations épidémiologiques dans le pays. De toute façon, il y a forcément des biais dans ces évaluations. C'est pour ça que j'avais envie de demander aussi aux autres intervenants, avez-vous l'impression qu'il y a plus de fous autour de vous? Bon. Je sais pas, c'est parce qu'il y a une volonté d'analyse, comme tu le rappelais, mais qui passe par où? Qui passe par le recensement des personnes qui ont eu affaire avec les dispositifs psychiatriques. C'est pas comme une enquête de l'INSEE, on pourrait le faire dans la salle d'ailleurs. Vous considérez-vous comme fou? Oui, non, beaucoup, pas tellement. Bon. Alors peut-être des gens seraient très contents de se considérer comme fou et d'être reconnus comme tel, à condition de ne pas être interné ce soir. Hein, bon. Mais donc, c'est pour ça que quand on parle de statistiques, ça passe forcément par des personnes qui ont rencontré le système soignant. Et ce que tu étudies, Nathalie, c'est que, bon, c'est stable. Merci. Je ne suis pas spécialiste et pas qualifiée, mais je ne sais pas s'il y a plus de fous, mais on a quand même le sentiment qu'il y a plus de souffrances, notamment, alors la souffrance, ce ne sont peut-être pas des troubles extrêmement graves qui relèveraient de la psychiatrie, mais les journalistes voient bien, il y a des témoignages qui arrivent, par exemple dans le monde du travail. Hein, on voit bien avec le harcèlement au travail, le stress, les burn-out, les dépressions, la pression qu'il y a de plus en plus dans les entreprises et qui font que les gens arrivent à être finalement submergés. Et puis il y a aussi, et c'est peut-être un peu aussi la faute des grands médias mainstream, un peu partout, vous faisiez allusion un peu aux psychothérapies qu'on voit surgir un peu partout, les coachs, l'illusion que les injonctions au bonheur à tout prix, qui font que peut-être les gens se sentent « moi je vais pas y arriver, j'ai pas tout ça, je suis pas dans la réussite » et ça peut... Peut-être, mais encore une fois, vous êtes les spécialistes, ça peut générer plus de souffrance, me semble-t-il. C'est possible de rajouter, justement, sur l'affaire de ou l'internement ou la médicalisation, sur l'exemple de Turing, il se trouve que la reine d'Angleterre a fait amende honorable, la reine d'Angleterre a fait amende honorable sur le traitement qui a été infligé
Mais ce qui m'a absolument sidéré, c'est que l'équipe de médecins qui a imposé à Turing une médicamentation invraisemblable n'a absolument rien dit. Enfin, il n'y a pas eu un geste du style c'était la médecine ou des années 50, on sortait de la guerre. Enfin, on peut trouver mille et une raisons. Non. Et il s'est suicidé. Donc certainement, il y a aussi un comportement fou, c'est sûr. Mais il s'est quand même fondamentalement suicidé. Comme il le disait, les traitements qu'on lui donnait le transformaient en femme. Et il n'y a pas eu un mot d'excuse, disons, de la part des intellectuels, pour aller plus vite. Et la reine, elle. Oui, c'est une question. Bonsoir. C'est une question plutôt pour Paul Bretéché. Concernant les établissements dont vous parlez, moi j'ai été un peu confronté à ça avec ma mère qui a été dans un établissement qui était censé justement, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais soigner la folie en groupe avec du coup les infirmières, la secrétaire et tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'en étais confronté à des gens qui n'avaient pas spécialement envie de soigner la folie en groupe. Et du coup, quand vous en parlez, c'est très joli. Et je me demande si, en fait, c'est pas un peu utopique. S'il y a des établissements comme ça, je suis sûr qu'il en existe, c'est évident. Mais est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'il y a des résultats qui sont demandés par l'État ou par... Est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est une façon réelle de soigner la folie? Ben, si vous voulez, quand vous dites est-ce que c'est contrôlé par l'État, moi je me méfie. Hein. On a vu des États qui contrôlaient rudement la psychiatrie et quand il y avait des dissidents, ils étaient quand même considérés comme fous. Donc les contrôles de l'État, soyons prudents. Je crois que le meilleur contrôle, c'est ce qu'en disent les patients eux-mêmes, c'est ce qu'en disent leur entourage. Là, vous témoignez d'une histoire qui n'a pas été très bonne. Hein. Vous avez été déçu, choqué, je ne sais pas. Bon, il faut le prendre comme tel, concernant tel établissement. Vraiment ça ma question. Ma question c'était de savoir si c'était. Est-ce que finalement c'est pas un peu utopique? Est-ce que ça existe vraiment? Et est-ce qu'il y a des résultats probants de ces établissements-là, de cette manière de soigner la folie en groupe? Oui, enfin, la soigner en groupe, c'est-à-dire c'est tenir compte de ce que font chacun des soignants dans son activité. Or, elle est très variable, l'activité des soignants. Vous savez bien qu'une infirmière de secteur peut faire des visites à domicile chez quelqu'un, elle peut participer à un groupe d'expression, elle peut recevoir quelqu'un individuellement en consultation, elle peut lui administrer des soins en lui donnant ses médicaments. Enfin, c'est très variable, là. Et alors, l'important, c'est que tout cet ensemble d'actions, qui sont surtout des supports de relations, soient pris en compte et soient retravaillés collectivement. Hein, c'est ça qui est important. Bon, et par ailleurs, qu'existent des groupes de patients, des groupes d'éducation thérapeutique, toutes ces choses sont très intéressantes. Quand il y a des groupes de patients, des groupes de parole de patients, c'est extrêmement instructif et intéressant. On peut constater par exemple que des gens échangent à propos des médicaments qu'ils reçoivent, et quand je disais toute pathologie n'est pas traitée exactement de la même manière, là on l'entend bien. Quelqu'un dira, toi tu as tel... médicaments, alors moi c'est pas possible, je le supporte pas, mais ah bon, puis etc. Et on voit bien que c'est très divers. Hein. Bonsoir, je voulais rebondir là, j'ai levé la main pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, comme quoi ça pourrait être une utopie de soigner les gens en prenant en compte leur humanité, tout ça. En groupe et tout ça. Alors moi, je voudrais faire le contrepoint, en fait. Si on ne soigne pas comme ça, comment on soigne? Et je voulais, du coup, rebondir aussi sur le titre « Peut-on se faire soigner sans consentir aux soins ?» Se faire soigner, ça voudrait dire qu'à l'hôpital, on soigne les gens et qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est du soin. Alors que je trouve, pour reprendre le début... C'est que si on ne fait pas ce que vous dites, M. Paul Bretéché, un peu un accueil humain, ce qu'on finit par faire, c'est justement l'accueil gestionnaire, technocratique, où le seul soin qu'on nous propose, c'est la mise sous traitement, en fait.
parce que c'est pas du soin. L'hôpital, actuellement, ce qu'il fait, c'est prendre les gens qui souffrent et tout ça, et ce qu'on leur propose à l'hôpital, c'est une mise sous traitement médicamenteux. Et ça, je suis désolé, mais on peut pas dire que peut-on se faire soigner. C'est pas du soin, déjà. Et donc, on peut pas se faire soigner sans consentement, ça voudrait dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je salue les initiatives de la psychothérapie institutionnelle. Il y en a plein dans toute la France. Malheureusement, ce qui se fait, c'est plus vraiment ça. Et quand on tombe malade à Paris, on n'est pas traité comme ça, en fait. Sauf si on est à Agnières ou si on est à... Oui, mais bon. Alors, je vais te repasser la parole, Nathalie, mais ce que je voulais dire, c'est que, de toute manière, même si l'on essaie d'ouvrir au maximum les espaces d'accueil, les espaces d'accompagnement, de soins, il y aura toujours des situations irréductibles. C'est malheureux, mais on bute, et alors on le réalise d'autant plus quand on a essayé beaucoup de choses et que ça n'a pas marché, et qu'une personne reste toujours à marcher comme ça le long des gouttières la nuit en pensant qu'elle va communiquer avec Dieu. Peut-être qu'à un moment on se dit, là on frise la non-assistance à personne en danger, il faut quand même faire quelque chose. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui réussissent à travailler avec ces personnes, justement, et qui progressivement nouent des liens de telle sorte qu'elles soient moins méfiantes, moins réticentes, et qu'elles acceptent, parce que c'est le but. Le soin sans consentement ne doit pas durer longtemps. Et donc, elles finissent par accepter de collaborer à leur propre traitement. Mais c'est ce que... Oui, votre remarque est tout à fait intéressante, mais le soin sans consentement est très vite contre-productif. C'est beaucoup plus intéressant, entre guillemets, de soigner des gens qui sont d'accord. Mais il est des états aigus où ce n'est pas possible et il faut parfois débuter les soins sans consentement. Mais l'art du psychiatre et de ses équipes, c'est de promouvoir une alliance thérapeutique et de tout mettre en œuvre pour que le patient accepte les soins, aime les soins et qu'il y trouve du bénéfice. Et bien entendu, je suis d'accord avec vous, le soin ne peut se limiter à la prescription d'un traitement médicamenteux. Le soin est aussi un soin relationnel. Pardon ? Mais aussi médicamenteux. Les médicaments sont importants. Alors c'est vrai que les médicaments, les psychotropes ont une connotation qui est encore très négative. Et on peut comprendre pourquoi. Ils ont beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, encore beaucoup trop d'effets secondaires. Et il y a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la médication des psychotropes. Ils sont efficaces, mais ils ont encore beaucoup d'effets secondaires, ce qui les rend encore difficiles à supporter. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, c'est une question plus générale. Je voulais savoir si vous pensiez que la figure du fou, globalement, allait encore évoluer, puisqu'on voit que dans l'histoire, la figure a évolué et des personnes qui étaient considérées comme folles ne le sont plus aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer également ou pas ? C'est une vaste question à la fois anthropologique et philosophique. C'est vrai que si on se réfère, moi j'avais été très impressionnée par la lecture de l'histoire de la folie de Michel Foucault, par cette image que la société avait de la folie. Alors je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. En revanche, il me semble que les mots ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, on parlait plus facilement du fou, de la folie. Maintenant, on va plus se parler de santé mentale. Et je crois que l'évolution des mots montre peut-être comment la société, elle prend en charge ces pathologies. Et ça, c'est peut-être une évolution. Mais le fait que le mot fou est disparu et qu'on parle de santé mentale, ça ne veut pas dire que la souffrance psychique est disparue, de mon point de vue. Peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus, peut-être dans la littérature et dans les arts, il me semble qu'il y a un champ qui est celui du traumatisme, qui est très souvent maintenant associé à la folie. Enfin, il y a une vraie clinique du traumatisme qui
qui a émergé depuis longtemps maintenant, et par rapport à l'image du fou qui pouvait être celle du début du XXe siècle encore, voilà, cette idée d'une fêlure liée à l'impact du monde extérieur et non pas liée à des voilà, une symbolique, le complexe d'Oedipe et tout ce qui était associé à ça, a modifié considérablement l'image qu'on peut trouver de la folie dans les arts actuels. Oui, vous posez aussi finalement la question de la stigmatisation de la maladie mentale. Et des études récentes montrent que la maladie mentale est encore terriblement stigmatisée dans la société, et que les patients eux-mêmes souffrent d'une auto-stigmatisation, c'est-à-dire qu'ils ont honte de leur maladie. Mais même des études au sein des groupes soignants montrent que nous-mêmes, les soignants, nous avons tendance à encore trop fortement stigmatiser. Et il y a d'énormes progrès à faire dans ce domaine. Il y a des campagnes d'information à mener pour que la maladie mentale soit moins honteuse, qu'elle puisse s'afficher avec beaucoup plus de respect, et qu'il y ait des vrais programmes d'inscription dans la vie sociale des personnes perturbées psychiquement, sans que leur position ou leur forme de souffrance soit honteuse. Puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de la folie en général, peut-être pourriez-vous vous demander à partir de quand vous considérez qu'une personne est folle. Une sociologue avait travaillé avec une équipe de psychiatrie du 20e arrondissement, et elle a fait un bouquin là-dessus, et elle, avec l'équipe, elle constate, elle dit, quand vous allez en visite, vous recevez un patient et qu'il vous dit, il est dans ce qu'on appelle appartement thérapeutique, et qu'il vous dit, toutes les nuits, je vois des hommes qui traversent la vitre et rentrent dans ma chambre. Vous allez penser qu'il délire. Bah oui, disent les soignants. Si le même vous dit, ah, cette nuit, j'ai vu une petite bête grise avec des petites pattes qui passait sous mon lit. Les soignants vont dire, c'est une souris. Et à ce moment-là, bon, ça paraîtra tout à fait évident et probablement vrai. Mais est-ce que la souris, elle était plus réelle que les gens qui passent par la fenêtre? Ça, personne ne le sait. Donc, comme l'heure tourne, malheureusement, il me revient de remercier très chaleureusement nos 5 intervenantes ce soir. Donc, Alexandre Sera, Paul Bretéché, Nathalie Gilou, Marie-Christine Lipani et Jean Dombre. Vous rappelez que tous leurs ouvrages sont à la bibliothèque, que cette soirée a été enregistrée et, comme toutes les soirées du cycle voilà, sur psychiatrie, psychanalyse et malaise social, que vous pourrez les retrouver grâce à nos techniciens qui ont enregistré ça ce soir. Vous pourrez les retrouver sur le site de la bibliothèque, et je vous invite à la prochaine date du cycle qui sera le 1er avril. Merci à tous et merci à vous.